Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau des Racines et des Ailes, plateau installé cette semaine sur la Côte d'Azur à Beaulieu-sur-Mer, une commune située précisément entre Nice et Monaco. Pourquoi Beaulieu-sur-Mer ? Eh bien parce que cette ville, outre ses charmes et sa situation géographique exceptionnelle, comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images, possède un véritable petit bijou, une merveille des merveilles, une merveille que je tenais à vous faire découvrir à la veille des vacances d'été, c'est la villa Kérylos, une villa construite au début du siècle par un amoureux de la Grèce antique, un savant, Théodore Rénac, qui voulait rendre hommage à cette grande civilisation et à son immortelle beauté. Le résultat est époustouflant de raffinement, d'harmonie et de sérénité. Vous allez pouvoir en juger vous-même tout au long de cette émission. Une émission que nous avons adaptée à la configuration des lieux. Vous le voyez, nos invités ont pris place sur la terrasse, d'où ils suivront ce 43e numéro des Racines et des Ailes, un numéro qui va nous faire voyager de la Côte d'Azur à l'Australie, en passant par la Grèce. Tout de suite, en images, le sommaire de ce magazine. Merci d'être au rendez-vous. Voilà, trois reportages que je vous propose de voir ce soir dans ce numéro des Racines et des Ailes, en direct de la villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer. Avec nous, Régis Vianderive, l'administrateur de la Fondation Théodore Rénac, qui va nous faire découvrir tout au long de cette émission cette magnifique demeure d'inspiration grecque. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici dans cette villa Kérylos. Kérylos, traduction ? C'est l'alcyon, l'oiseau de mer, signe de bon présage. Donc un nom poétique qui se dit aussi bien en grec qu'en français. Alors la villa Kérylos, c'est l'œuvre d'un homme qui est derrière nous en photo ici, Théodore Rénac, un homme assez étonnant. Assez étonnant. Là, donc Théodore Rénac a sur cette photo 46 ans. Il est nouveau député donc de la Savoie, mais bien au-delà de ça, c'est d'abord un savant qui a consacré sa vie à l'hellénisme. Donc comme archéologue, il a fait de nombreuses découvertes et aussi comme spécialiste des monnaies. Il a enseigné la science des monnaies au Collège de France et auparavant à la Sorbonne. Alors passionné de la Grèce antique, au début du siècle, pour rendre hommage à la civilisation grecque, Théodore Rénac demande à l'architecte Pontremoli de lui construire cette villa. Quel est son souhait, sa philosophie? D'abord, c'est une réplique exacte d'une villa ancienne, antique? Kérylos n'est pas une réplique, c'est la réplique d'aucune maison particulière. Kérylos, donc, vous l'avez dit, c'est un hommage à la civilisation grecque, c'est un acte d'amour, dit Jacqueline de Romilly, qui s'y connaît en matière de civilisation grecque et d'hellénisme. Et donc Emmanuel Pontremoli, architecte niçois, a su parfaitement rentrer dans le rêve de Théodore Rénac, qui était de perpétuer les sources de la civilisation grecque. Il estimait être les sources, les racines et les ailes de notre culture européenne aujourd'hui. Alors nous commençons cette émission dans la bibliothèque, c'est une pièce importante, c'est une pièce qu'il affectionnait tout particulièrement. Pourquoi ? C'était sa pièce de prédilection, parce que comme c'est un savant, il va sans dire qu'un savant et des livres, les livres pour un savant sont indispensables. Et donc, en fait, dans les armoires en chêne qui sont derrière nous, il avait là sa bibliothèque et il étudiait ici, dit-on, le matin tôt, et grâce à ses pupitres, il écrivait debout, voilà, comme, ça, Victor Hugo, mer. Comme Victor Hugo, il écrivait debout et effectivement, il pouvait s'éloigner de son écritoire et regarder les flots et la baie de Beaulieu. Il y met en fait toute la philosophie de son projet dans cette bibliothèque. Voilà, il y met la philosophie de son projet, notamment par le distique en grec qui est imprimé, mais en même temps, tout de suite, donc tout à fait éclairant, dans les médaillons avec les noms d'Euripide, Échille, Aristophane, Platon, Aristote, Thucydide, enfin les grands noms de la Grèce, même si on ne les a pas lus, c'est quelque chose qu'on a dans l'oreille et c'est inévitable. Autre pièce importante ici à la Villa Kérylos, c'est le péristyle. Il est juste derrière nous, on le découvre avec ses 12 colonnes de marbre de Carrare. Le péristyle, c'est la pièce centrale autour de laquelle s'organise vraiment toute la vie de la maison, c'est cela? Alors, c'est d'abord, effectivement, ça permet l'organisation de la vie de la maison, la circulation entre les pièces, comme ça se passait dans l'Antiquité. C'est aussi
un endroit où la lumière pénètre particulièrement dans la maison. C'est aussi un endroit dans l'Antiquité qui permettait de recueillir les eaux, mais ici, comme d'ailleurs à Délos, les premières maisons élaborées, ça commence à se constituer, c'est aussi la parure de la maison et ça marque le rang social de son propriétaire. Et donc ici, à la Villa Kyrillos, le péristyle est assez imposant. On va revoir ces fresques absolument magnifiques qui sont autour de ces colonnes. Si c'est possible. Ce sont des fresques qui sont tirées d'où Alors, des grands artistes ont pu travailler au début du siècle. Il s'agissait de Jolm et Karbowski. Jolm était d'ailleurs un élève de Puys de Chavannes, mais ils ont travaillé là, non pas avec le goût du 19e siècle, mais à la manière antique, donc sur des enduits stuqués et puis après encaustiqués. Ils ont pu imprimer, montrer des illustrations de légendes grecques. Et on voit, donc on a vu la légende de la Dipodamie. Là, ici, on voit une scène de sacrifice d'un taureau. Et donc, des scènes que l'on trouvait sur des vases et qui ont été des figures rouges, donc des vases attiques grecs, qui sont à une dimension monumentale, puisqu'il s'agit de couvrir la. Ce sont des fresques très, très impressionnantes, très très belles. On reviendra sur ce péristyle parce qu'on va le traverser en permanence pour aller de pièce en pièce. Pourquoi est-ce que Théodore Reynac choisit Beaulieu-sur-Mer pour édifier cette villa ? Alors, Beaulieu-sur-Mer, il a eu la chance de la découvrir par, dit-on, Guy de Maupassant. Il a pu trouver, en fait, sur cette petite pointe rocheuse qui était le promontoire de la baie des Fourmis à Beaulieu-sur-Mer, un espace qui rappelait vraiment la Grèce, les Cyclades, la mer Égée. Enfin, c'est ici, Beaulieu, c'est un petit coin de terre grecque en France. Alors, tout au long de cette émission, eh bien, nous allons visiter pièce par pièce cette fabuleuse villa. Je vous propose de rester donc dans cette ambiance hellénique en nous envolant pour la Grèce. Cette année, vous serez 500 000 à visiter ce pays, berceau de la mythologie. Nous avons choisi de vous faire découvrir plus particulièrement trois sites, Santorin, Délos et Delphes, des lieux magiques qui, vous allez le voir, peuvent encore étonner, surprendre, tant il est vrai qu'ils possèdent des trésors et des beautés cachées. Voici la Grèce, la nouvelle Odyssée. C'est un reportage qui est signé Hélène Frandon et Sam Caro. Voilà, retour sur le plateau des Racines et des Ailes en direct de Beaulieu-sur-Mer et plus précisément en direct de la villa Kyrillos, une villa d'inspiration grecque construite au début du siècle par l'académicien Théodore Reynac, un amour fou de la civilisation grecque. La villa Kyrillos qui a été léguée à l'Institut de France et qui, depuis 1966, est classée monument historique. Alors, on vient de voir dans ce reportage le site de Délos avec ses maisons et notamment ses mosaïques, traces ici et qu'on retrouve ici. Exemple, cette magnifique mosaïque d'un dauphin. C'est une reproduction exacte de Délos ? Alors, presque exacte. C'est plus exactement une citation parce que les couleurs en diffèrent. Mais comme dans la maison des tridents, du trident à Délos, elle indique la direction de la cour. Elle invite donc la personne qui pénètre dans la maison à aller plus loin. Et donc, dès l'entrée de cette villa Kyrillos, on est accueilli par de la mosaïque. Je fais référence au coq qui nous accueille. Quelle est son histoire ? On a plusieurs donc, invitations. Et d'abord, il y a aussi l'inscription devant Kyrie. Donc, il dit à toute personne qui pénètre à Kyrillos, réjouissez-vous. Et puis, il y a cette magnifique embléma, donc ce coq, c'est la poule et les poussins qui montrent qu'on rentre dans un univers familial. Et cet embléma, qui est la seule mosaïque authentique à l'intérieur de la villa, serait un travail alexandrin du IIe siècle avant le Christ. Et Théodore Reynac avait pu en faire l'acquisition à Rome au moment à peu près de la construction de la villa. Et elle a pu être posée ici magnifiquement. En fait, des mosaïques, il y en a partout, dans toutes les pièces. Combien de mètres carrés ? Alors, il n'y en a pas dans toutes les pièces, parce que la maison fait à peu près 1700 mètres carrés, mais il y a un bon millier de mètres carrés de pavement en mosaïque, ce qui montre le luxe de cette maison, tel qu'on a pu le voir dans les riches maisons de Délos. Un mot sur la mosaïque qui est tout près de nous, sous nos pieds, et qui nous sert quasiment de tapis. Alors là, nous ne sommes plus à Délos, nous sommes effectivement à cette mosaïque qui est dessinée un peu comme un tapis, là, est empruntée à la maison du Labyrinthe à Pompéi. Mais tout ça montre justement que Kyrillos, ce n'est pas une reconstitution d'une maison, c'est l'esprit grec qui domine, esprit grec qu'on a retrouvé aussi dans des maisons
après en Grande-Grèce, donc à Pompéi, Herculanum, Bosquerel et autres. Donc voilà cette magnifique mosaïque aussi. On traverse à nouveau le péristyle et on va découvrir une pièce absolument extraordinaire. Ce sont les thermes de la Villa Kyrillos. Alors ces thermes, alors qui ont là encore un décor de mosaïque dans le fond de ce bassin qui ressemble à un baptistère, mais en fait qui est donc qui permettait pour les Grecs anciens de bains non pas enfin d'un bain d'agrément et non pas de bains de pour se nettoyer. Donc Théodore Rénac a utilisé ces termes. Alors la légende voudrait que Théodore Rénac se soit baigné en compagnie de Sarah Bernhardt. Elle a séjourné ici. Sarah Bernhardt n'a pas séjourné ici, mais Théodore Rénac lui faisait 10 séjours. D'ailleurs, à une époque inversée de celle d'aujourd'hui. Elle n'a pas séjourné ici, mais elle s'y baignait. Elle aurait été, disons, invitée. Très bien. Et elle s'y serait baignée. En tout cas, la légende est charmante. Alors donc, tenons-le pour vrai. Chaque pièce ici a un nom grec. Quel est le nom des termes? Alors les termes, l'inscription du Balanéon s'appelle Naïades, les Naïades. Et le salon où nous nous trouvons, qui est splendide. Le salon, donc en fait, le grand salon de la maison s'appelle l'Andron, donc avec la racine Andros qui veut dire homme. Et je rassure vos téléspectateurs, il n'y a pas de gynécée à Kyrillos, donc aucun sectarisme, il n'y a pas de pièces réservées aux femmes ici, c'est le grand salon de la villa. On découvre ce salon qui est absolument splendide. Alors après s'être délassé dans les bains grecs, on passait à table, à la salle à manger, on va la découvrir cette salle à manger. La villa est fortement inspirée hein, des scènes de repas décrites par Platon dans le banquet, oui, c'est un de ses livres. Au passage, on remarque à nouveau cette magnifique mosaïque et la table. Le couvert est dressé. Explication. Alors effectivement, vous dites le lien avec le bain, à tel point qu'on a cru par moment que le bain c'était le repas. Et Agathon, lorsqu'Agathon invite Socrate, on sait qu'il y est venu, j'allais dire pomponner. Et là, vous avez alors pour la Villa Kyrillos, comme la scène du banquet, Théodore Rénac a voulu que, en harmonie avec la villa, il y ait tout un art décoratif et il y a toute une vaisselle en grès qui a été créée pour la villa. Et aussi un mobilier extraordinaire car... On dîne allongé. On dîne allongé. On découvre le repas principal et d'apparat, le banquet, c'est en fait le souper. Hein, donc, on s'allonge sur des banquettes comme le feront après les Romains. À l'époque archaïque, les Grecs mangent assis, mais à l'époque classique, c'est un montre là aussi l'honorabilité. Une banquette est plus haute, justement, oui, pourquoi, montrant que soit l'invité d'honneur, l'invité de marque, ou alors le maître de maison qui a ses convives autour de lui. Alors, je rappelle donc que cette Villa Kyrillos a été construite au début du siècle, au moment où c'était la mode de venir passer l'hiver sur la Côte d'Azur, et où beaucoup de personnalités, de gens fortunés, des aristocrates de l'Europe entière, se faisaient construire des villas, des palais de toutes sortes, des folies. Cet attrait pour la Côte d'Azur n'a jamais cessé. Aujourd'hui, on est surpris par la diversité de son patrimoine architectural, où se mêlent des styles totalement différents, grecs, byzantins, mauresques, médiévales, ou même années 70. Pour déraciner des ailes, plusieurs propriétaires ont accepté de nous ouvrir les portes de leur somptueuse demeure. Je tiens personnellement ici à les en remercier. Voici Côte d'Azur, les Villas Passion, un reportage de Jean-Christophe Chaton et Morad Aïtabouche. Voilà le pays de l'éternel printemps, retour sur le plateau des Racines et des Ailes, en direct de la Villa Kyrillos à Beaulieu-sur-Mer, une commune située entre Nice et Monaco. Alors on a dit que Théodore Rénac était un savant, mais c'était également un homme très fortuné pour construire une villa pareille. Combien a-t-elle coûté cette Villa Kyrillos? Elle aurait coûté 9 millions de francs or, ce qui représenterait aujourd'hui à peu près 300 millions de francs. 300 millions de francs. Ce qui est bien sûr colossal. Et il y a séjourné combien de temps? Il y a séjourné, il est décédé en 1928, la maison a été terminée en 1908. Entre-temps, il y a eu la guerre de 14, donc vous voyez, ça fait assez peu d'années, et en y passant chaque fois à peu près 15 jours. Il y recevait beaucoup ici? Il n'a pas, on ne peut pas dire qu'il y a vécu une vie mondaine, mais
Bien sûr, il ne dédaignait pas à inviter des gens de son entourage, comme notamment une parenté pour lui, les Effroussi, Béatrice de Rothschild ayant épousé Maurice Effroussi, oncle de son épouse, le roi Léopold de Belgique, le roi Georges de Grèce, d'autres personnalités. Alors on l'a vu tout au long de cette émission, ici tout a été pensé, conçu, créé spécialement pour la villa. Théodore Reynac a poussé la perfection jusque dans la conception du mobilier, un mobilier qui aujourd'hui est reconnu pour son style. On peut parler d'un style Kyrillos ? On peut parler d'un style Kyrillos. En tout cas, ce n'était pas sans doute la volonté de Pontremoli et de Théodore Reynac, mais on peut dire que là, je crois qu'il faudrait parler vraiment de l'architecte Emmanuel Pontremoli, qui a fait de la prose, enfin des vers sans le savoir, et il a fait un style, effectivement. On découvre là un siège étonnant, c'est un trône. En fait, le siège d'un trône est très beau, mais il faudrait pouvoir voir, ce qui est difficile, l'ensemble du mobilier, parce que Pontremoli a dessiné à peu près une dizaine de modèles de chaises, autant de tabourets, plusieurs modèles de tables, notamment ces tables tripodes qui sont étonnantes. Oui, alors les tables ici, toutes les tables n'ont que trois pieds. Pour quelle raison ? Alors, elles n'ont pas tout à fait trois pieds, mais effectivement, beaucoup ont trois pieds parce que, une particularité que l'on peut voir sur les vases grecs, trois pieds, c'est toujours en équilibre, ce qui est très commode. Et puis quand, ce qui est le cas de la salle à manger, le triclinos, le souper se passe allongé, ben, quand on descend la banquette, on ne se blesse pas les jambes. Donc ça, une double particularité, donc double intéressante. Les essences de bois venaient du monde entier. Alors, les essences de bois, elles sont très nombreuses, du verre du Siam, du cocobolo, des bois exotiques, du bois de palissandre. On découvre à l'angle des incrustations d'ivoire, de l'ébène, de buis, de l'olivier, des bois clairs, des bois fruitiers. C'est un nombre très très important d'essences de bois utilisées qui ont été déclinées à Kyrillos. Et effectivement, on peut dire d'une certaine manière qu'il y a un style Kyrillos et qui mériterait, selon moi, il y a une pureté de ligne, une modernité de ligne. On rappelle que ces meubles ont été faits au début du siècle. Effectivement, ils ont été faits au début du siècle. Beaucoup de gens pensent au mouvement du Bauhaus ou de la sécession viennoise. Mais je pense réellement que le mobilier de la Villa Kyrillos mériterait de rentrer au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Et je ne désespère pas. Théodore Reynac, savant, académicien, homme fortuné et puis aussi musicologue. Musicologue, effectivement. Il a évité un aveu d'impuissance à l'école française d'Athènes qu'on a pu voir dans les recherches à Délos et à Delphes. Et là, il s'agit sur le site de Delphes en 1892. On a trouvé ce qu'on a appelé l'hymne à Apollon. Et en fait, il y avait des lettres au-dessus de cet hymne et on n'arrivait pas à comprendre ce dont il s'agissait. Théodore Reynac a compris qu'il s'agissait d'une portée musicale et il l'a transcrit. Et il a demandé après à Gabriel Fauré d'harmoniser cette partition qui aura été donnée à Paris. Alors justement, on va se déplacer et nous allons découvrir une pièce qui est à côté de ce salon, qui est une pièce dédiée aux arts et notamment à la musique, puisque Madame Reynac aimait également la musique. Il y a un meuble dans cette pièce qui est magnifique et qui a un secret. Voilà. Ce n'est pas un coffre, en fait. Non, ce n'est pas un coffre. Bien sûr, il fallait éviter un anachronisme, mais comme dans toute la maison, le confort, j'allais dire moderne, est présent. Et là, nous avons donc un piano qui est signé Pleyelos et Poyesen, c'est-à-dire Pleyel m'a fabriqué, et qui a même donc des incrustations à l'intérieur, enfin de l'ébénisterie, de la marqueterie. Pourquoi cacher un piano ici ? Parce qu'il fallait qu'il n'y ait pas d'anachronisme. Et donc, c'était là un vœu de Madame Reynac qui a commandé ce piano en 1912 à Théodore Reynac. On sait que la mécanique est de 1913. Malheureusement pour elle, elle est décédée pendant la guerre de 14 et le piano n'est arrivé qu'en 1919. Mais on sait que Gabriel Fauré, lorsqu'il a voulu monter son opéra Masque et Bergamasque à Monaco, y a joué un peu dessus. Alors, on va aller au premier étage avec un reportage et une de vos guides. On va découvrir les salles de bain, les chambres. Et vous allez voir que là aussi, il y a la tradition, ce mariage de tradition et de modernité, des racines et des ailes. C'est ici la chambre de Madame Reynac. Découvrir les appartements privés du premier étage
C'est un peu comme s'inviter dans la vie quotidienne de la Grèce antique, comprendre soudain comme une évidence les textes anciens ou les œuvres d'art. Plafonds ouvragés, lustres d'albâtre et lampes ciselées, tentures brodées, meubles de bois précieux et fresques murales, tout est rigoureusement fidèle à l'esprit de la Grèce antique. Alors voyez d'abord ici, il y a la douche. La douche qui était en ciel ouvert pour accueillir l'eau de la pluie. L'architecte Pontremoli a été un maître de l'adaptation, ajoutant outre l'eau courante quelques raffinements modernes, comme la possibilité de faire couler l'eau en pluie ou en 1500 jets circulaires plus puissants, comme un massage. Car la villa a été conçue pour y vivre au XXe siècle. C'est ici la salle de bain de Monsieur Renac et sa baignoire. Et comme à côté, cette baignoire pèse 900 kg. Mais ici, nous voyons que les robinets sont en argent. Est-ce que les animaux qui sont représentés là sur les robinets avaient une signification pour les croyances grecques? Toujours. Toutes les choses avaient des significations diverses. Alors souvent, les animaux, on les attribuait aux dieux. C'est-à-dire, on sait par exemple que la chouette était l'animal de la déesse Athéna, que le coq ou le dauphin était l'animal du dieu Apollon. Il y a quelque chose qui manque, c'est le miroir. Monsieur Renac a caché son miroir dans la porte. Comme ça, il pouvait se regarder quand il était dans sa salle de bain. Éviter l'anachronisme, l'obsession des bâtisseurs de la villa. Le miroir d'époque, celui qu'utilisaient les Grecs anciens, est présenté juste à côté de la salle de bain, dans ce petit salon de repos. On disait que les Grecs ne connaissaient pas les miroirs. Ces tables, justement, servaient comme miroir. Parce que ces tables avaient un plateau qui est en argent. Alors, si vous approchez, vous allez voir que c'est très pratique parce qu'on ne se voit pas très, très bien. Donc, on ne voit pas les rides, on ne voit pas les défauts. Mais les Grecs avaient des tables comme ça qui servaient comme miroir. Rigueur historique, mais confort moderne. L'électricité éclaire la demeure sans briser le charme pour autant. Chaque verre de lampe a été choisi pour restituer au mieux la lumière des lampes à huile. Théodore Renac s'est réservé la plus vaste pièce pour sa chambre, elle aussi dédiée à un dieu de la mythologie. L'alcôve, les colonnes, les tentures sont de rouge et de pourpre, couleur de la force et de la virilité. Cette chambre s'appelle Erotès, les amours, mais malgré, voyez, ce nom romantique, le lit de M. Renac était pour une seule personne. On a entendu des visiteurs qui disaient, mais il est quand même un peu fou d'avoir fait tout ça. Malheureusement, nous devenons tellement raisonnables que quand quelqu'un fait quelque chose qui est beau et qui arrive jusqu'au bout de sa passion, nous, les raisonnables, nous disons que c'est fou. Pour moi, c'était vraiment, il avait un rêve. Il a réalisé son rêve. Un rêve que 50 000 visiteurs approchent chaque année en franchissant le seuil de la Villa Kérylos. Voilà des images signées Loïc Lemoigne. Alors, on vient de l'entendre, la villa se visite, 50 000 visiteurs par an. La villa abrite aussi des manifestations culturelles. Oui, mais 50 000 visiteurs, nous en attendons plus, nous le souhaitons. C'est eux qui sont les premiers mécènes en visitant, ils permettent à ce bâtiment de se conserver. Mais en même temps, effectivement, nous essayons d'animer cette villa dans le respect de la mémoire d'abord de notre fondateur Théodore Renac, avec un colloque annuel qui est dirigé par le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles lettres, Jean Leclan, qui est aussi le conservateur, mais aussi des rendez-vous musicaux nombreux, rendez-vous musical en hiver ici dans ce salon, et en été dans le péristyle, suivi même de souper. Donc très très prochainement, nous aurons donc une série de concerts, nous appelons les Nocturnes de Terpe.
Alors, je vous propose à présent de quitter la Côte d'Azur, de quitter la Grèce, pour partir à l'autre bout du monde, en Australie. L'Australie qui accueillera en septembre prochain les Jeux Olympiques, à la veille de cet événement, né il y a 2800 ans, en Grèce, justement, on y revient toujours. J'avais envie de vous faire découvrir ce pays qui est à 24 heures d'avion d'ici, un pays grand comme 14 fois la France, avec une population de seulement 19 millions d'habitants. Il faut savoir que 85% du territoire est inhabité. Véritable Eldorado pour les candidats à l'immigration du monde entier. On estime aujourd'hui à 60 000 le nombre de Français qui s'y sont installés. Parmi eux, Jean-Baptiste, Yveline et François. Chacun à sa façon a adopté ce pays et ses valeurs. Pour des racines et des ailes, ils nous servent de guide. Un voyage contrasté qui nous emmène de Sydney à la terre d'Arnhem où vivent les aborigènes, le peuple le plus vieux du monde. Voici le rêve australien, un reportage de François Guillaume et Christophe Monteil. De nous quitter, dernière pièce de la Villa Kérylos à vous faire découvrir, elle est tout juste sous mes pieds, c'est la Galerie des Antiques dédiée à la sculpture grecque, une galerie d'exposition qui prolonge la visite à faire absolument dans cette Villa Kérylos. Merci à Régis Vianderive de nous avoir servi de guide, merci à l'Institut de France de nous avoir accueillis en direct de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer. Vous retrouverez toutes les informations concernant les sujets traités ce soir dans la rubrique « Des racines et des ailes » du site internet de France 3 et sur le Minitel 3615, code France 3. Cette émission a été réalisée par Jean-Luc Orabona grâce aux moyens techniques de France 3 Production Marseille, avec Patrick Charles, Isabelle Richard, Rachid Korichi et bien sûr Didier Gorbati à la lumière, ainsi que toute l'équipe technique et rédactionnelle du magazine. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous le 28 juin pour un nouveau numéro spécial, cette fois-ci, spécial vacances des racines et des ailes.